Rendre le logement accessible à tous, c'est l'objectif que s'est donné l'Union sociale pour l'habitat de Midi-Pyrénées. Cependant, avec 47 000 demandes pour seulement 15 000 attributions en 2008, la région a encore du retard en matière de logement social. Midi-Pyrénées est largement en dessous de la moyenne nationale. Donc il y a un besoin de logement qui est extrêmement fort. Et donc nous considérons qu'il faut poursuivre l'effort en matière de développement du logement social. Un développement que l'USH tente de mettre en œuvre. Le plan de cohésion sociale mené entre 2005 et 2009 a notamment permis d'accroître le nombre de logements de 13%, un chiffre légèrement en dessous des objectifs, mais qui reste tout de même encourageant. Pour poursuivre cette démarche, les organismes HLM ont adopté pour 2010 une charte d'engagement. À travers cette charte, eh bien, mettre en perspective ce qu'ils sont en train de faire sur des questions comme la qualité de service, sur des questions comme l'innovation, notamment dans le développement durable, sur le lien avec le locataire, sur le parcours résidentiel, sur l'accession sociale, sur l'ensemble de ces sujets. Des ambitions sociales, humaines, mais aussi écologiques qui ne pourront être mises en œuvre qu'avec l'appui des collectivités et de l'État.